Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés. Je crois qu'on en est à la 56e édition. Ça fait des années que je réalise ces vidéos. Parfois je me demande si elles vous plaisent toujours et en fait Alors, je suis pas très attachée aux statistiques, mais le nombre de vues est toujours assez stable. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, moi de mon côté, ça me permet de vous parler vraiment des produits que j'utilise. Pas dans le sens où je vous mens sur le reste, mais vous voyez peut-être beaucoup passer de colis, de choses que je reçois sur Instagram notamment. Et je n'utilise pas tout simplement parce que je n'ai qu'un visage et qu'un corps, donc je ne peux pas tout essayer. Là, il y a aussi des choses que je rachète moi de mon côté depuis des années, vous allez le voir. Mon point de vue, ça me semble être toujours des vidéos utiles. J'espère que c'est le cas pour vous. Je trie tout ça par catégorie comme d'habitude, comme ça c'est un peu plus clair. Et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par les soins cheveux. J'ai terminé le bain traitant à la propolis de la marque Leonor Grey. C'est un shampoing anti-pelliculaire, mais vraiment pour les personnes qui ont un cuir chevelu sensible. Ce qui est mon cas, moi mon cuir chevelu est sensible, il finit par démanger, je me gratte, ça fait des pellicules, et puis après c'est un cercle vicieux. Plus ça démange, plus on gratte, plus il y a de pellicules, et après on ne s'en sort plus. Alors ce shampoing, il est extrêmement cher, je l'achète pas très souvent, parce qu'en plus moi il me faut quand même une certaine quantité pour bien le répartir sur le cuir chevelu. Mais il fonctionne très 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 bien sur moi. Donc là pour le moment je vais pas la racheter, j'ai d'autres choses en cours qui font bien l'affaire. Rien que de parler du sujet, j'ai l'impression que j'ai le cuir chevelu qui gratte. Mais je suis certaine que c'est un produit que je rachèterai à l'avenir. Je l'achète souvent avec des bons, moins 25% chez Sephora. Enfin je profite d'une promo parce que vraiment il est pas donné. Toujours chez Leonor Grey, j'ai terminé le soin repigmentant blond froid déjaunissant. Qui est un soin à rincer, qui est vraiment, je peux pas vous le montrer, mais qui est vraiment de couleur indigo, très très vive. Un soin qu'il faut faire poser, mais pas trop longtemps, parce qu'en fait, à force de le laisser poser, vous allez finir par obtenir des reflets un peu blanc-gris. Alors si c'est ce que vous voulez, c'est très bien. Moi, c'est pas mon cas, je tiens quand même à ce que ça garde une tonalité de blond. C'est un soin qui est hyper efficace, qui est pas donné, mais qui a vraiment ce côté deux en un, dans le sens où déjà ça vient déjaunir et entretenir le balayage que vous avez. Donc ça c'est très appréciable et il y a vraiment un côté soin, nourrissant, démêlant, très hydratant que j'aime beaucoup. Je vais pas le racheter pour une raison, c'est que maintenant je fais en sorte de faire monter mon balayage plus haut que... Bon, là je sors pas de chez le coiffeur donc il a un peu descendu forcément vu que mes cheveux ont poussé. Mais du coup je privilégie des soins déjaunissants sous forme de shampoing pour vraiment pouvoir venir le mettre à la racine. Non pas que ça soit impossible avec ce produit mais ça reste un peu lourd. Donc si je le mets en racine j'ai les cheveux hyper gras genre le lendemain. Donc je reste fidèle pour le moment au shampoing déjaunissant de chez Olaplex que j'aime beaucoup, qui a à peu près les mêmes vertus, qui a pas ce côté soin dans le sens où il vient juste traiter la couleur mais c'est pas grave, j'applique un masque par la suite. Mais j'ai adoré ce soin de chez Leonor Grey et je vous le conseille, voilà, si vous avez surtout de la décoloration sur les longueurs, c'est un produit qui est très efficace. Pour un équivalent à plus petit prix, vous avez le soin déjaunissant de chez... C'est Desanges ou c'est Provo? Non, je crois que c'est Desanges. Qui coûte genre 6-7 euros. Ouais, non, il a peut-être dû monter depuis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, mais qui se trouve en grande distribution. C'est un soin qui s'appelle Blond Californien. Il y a une femme très très blonde dessus pour vous aider à le repérer un peu dans les rayons. C'est un tube avec un embout un peu précision. C'est un produit qui n'est pas aussi efficace, pas aussi agréable à utiliser que celui de chez Leonor Grey là, que je viens de vous montrer, mais qui reste vraiment très très satisfaisant pour le prix. Donc voilà, vous pouvez tester celui-ci. J'ai terminé les deux produits de la gamme Blond Absolu de chez Kérastase que j'avais acheté suite à mon avant-dernier passage chez ma coiffeuse. C'est marrant parce que je les ai finis en même temps, alors que très souvent je finis les shampoings avant les soins. Mais en fait, les shampoings Kérastase sont tellement concentrés qu'il en faut très très peu en quantité. C'est assez incroyable. Donc du coup, ça rend l'investissement un peu moins difficile à vivre parce que vraiment, vous le gardez des semaines entières. Donc le shampoing bain lumière acide hyaluronique et Edelweiss, shampoing hydratant illuminateur, je l'ai adoré dans la période justement post balayage, mèche, décoloration, quand les cheveux sont très sensibilisés et qui sont secs et surtout déshydratés. Enfin moi je trouve qu'il manque vraiment de corps. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. Je vais pas le racheter dans l'immédiat parce que j'ai pas besoin vu que je vais pas retourner chez ma coiffeuse là sous peu, mais je le rachèterai sans problème lors de mon prochain balayage. Et ensuite le cicaflage, donc toujours dans la même gamme blond absolu, fondant, fortifiant, profond. C'est un soin à laisser poser assez peu de temps, 3 à 5 minutes. C'est un hybride entre l'après-shampoing et le masque. C'est pas aussi costaud qu'un masque, mais c'est un peu plus nourrissant qu'un après-shampoing. J'ai beaucoup aimé ce produit, il y avait un côté démêlant, ça faisait des beaux cheveux. Vraiment je suis fan de cette gamme blond absolu.
Donc je rachèterai sans aucune hésitation. Là je suis passée sur autre chose, en ce moment j'ai le masque de chez Christophe Robin. Et en shampoing, bah écoutez, je suis repartie un peu sur du Head & Shoulders. Alors je sais que, bah typiquement, si ma coiffeuse Angelina voit ça, elle va avoir des boutons. Je sais hein, que c'est affreux ces shampoings, mais vraiment, moi, pour les démangeaisons, j'ai pas trouvé beaucoup mieux. C'est un shampoing qui fonctionne bien sur moi. J'ai un peu de mal à faire la promotion de cette marque-là, mais écoutez, ça marche. Et enfin, j'ai terminé le sérum apaisant fraîcheur cuir chevelu irrité de chez René Furterer. C'est le soin, le fluide Astera. C'est sans rinçage, ça sent le menthol, il y a un petit embout précis qui vous permet vraiment de faire des raies et d'appliquer le produit comme ça. Je vous ai déjà parlé de ce soin, il a été reformulé, enfin le packaging est plus tout à fait identique. Ça ne traite pas la cause des démangeaisons, ça va traiter le symptôme, c'est-à-dire que si ça gratte, eh ben, une fois que vous mettez ça, ça gratte plus. Donc c'est pas miraculeux, mais vraiment quand vous avez besoin d'un coup de frais, puis avec l'aspect un peu mentholé aussi, ça fait du bien, ça donne un effet un peu glaçant sur le cuir chevelu, c'est très agréable. Je suis pas certaine de le racheter, tout simplement parce que ça ne traite pas le problème. Et que je préfère traiter le problème que le symptôme, mais c'était quand même très agréable à utiliser. Côté maquillage, j'ai terminé 4 produits. Le Flash... comment s'appelle-t-il ? Flash Perfector Concealer dans la teinte 1N de chez Dior. Je l'ai déjà racheté, je vous l'ai montré dans une vidéo derniers achats que je vous mettrai sur l'écran. Je l'ai raclé sur les parois pour vraiment récupérer tout ce qu'il y avait dedans. J'adore cet anti-cerne correcteur que moi j'utilise comme correcteur, qui est vraiment excellent. Et ensuite, 3 produits pour les cils. La base Lash Paradise Primer de chez L'Oréal que j'ai déjà racheté. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'utilisais auparavant la base Dior Show Maximizer de chez Dior, justement, qui était excellente, qui a vraiment monté en termes de prix. Et j'ai découvert celle-ci que je trouve rigoureusement identique pour beaucoup, beaucoup moins cher. Donc du coup, je suis restée sur celle-ci de chez L'Oréal. C'est une base qui vient renforcer, traiter les cils. En profondeur, qui fait aussi une belle base de maquillage. Justement, je trouve que le mascara est plus joli derrière, et voilà, c'est mi-soin, mi-maquillage. Moi j'aime beaucoup ce produit, je pourrais pas m'en passer. Ensuite j'ai terminé le mascara, je vous l'avais présenté dans une vidéo favori je crois, un tout petit mascara précision avec une toute mini brosse que j'avais acheté sur Amazon de la marque soit QC soit QIC. Je l'ai pas racheté parce qu'en fait en ce moment j'ai un mascara que j'arrive à mettre sur les cils du bas sans difficulté. Mais c'était un bon mascara waterproof qui fonctionnait bien. Je serais susceptible de le racheter à l'avenir. Et ensuite, j'ai terminé le mascara Push Up Lashes Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Ce mascara n'est pas waterproof, mais pour moi, il a tout d'un waterproof. Là, il est complètement sec. Une brosse en picot plastique, il est très noir, il tient bien. Il tient bien la courbure aussi. Il a un très 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 beau rendu sur les cils. C'est vraiment un très bon produit. Bon, il coûte extrêmement cher. Et je n'arrive pas à voir la contenance, donc je ne me souviens pas combien de temps il m'a duré, mais je crois pas mal de temps quand même. Bref, c'est un bon mascara. Là, je suis passée sur un mascara L'Oréal Telescopic Waterproof, qui je crois n'est pas encore arrivé en France. Je l'ai acheté pendant mon séjour à New York, qui n'est pas incroyable, voilà, qui fait l'affaire, mais c'est pas le mascara de ma vie. On va continuer avec les produits terminés côté corps. Tout d'abord, bon, je mets ça dans la catégorie de corps, deux parfums, le... comment s'appelle-t-il ? Le Idol Eau de parfum de chez Lancôme. C'est Lancôme qui me l'avait fait parvenir il y a un paquet de temps. Je vais être très honnête, c'est pas un parfum que j'aurais acheté. Je le trouve très floral, un peu trop floral. Et quand j'ai commencé à le porter, tout le monde autour de moi me disait « Ah, t'as changé de parfum !» Enfin vraiment, on l'a remarqué, c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de porter. Quentin m'a même dit « Ah, je suis pas sûre de vraiment d'aimer. » Moi non plus, à vrai dire, c'était pas la catastrophe. Si je l'ai porté, c'est qu'il me plaisait bien, sinon je l'aurais donné à une copine. Mais j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Et en fait, au fur et à mesure où je l'ai porté, il a fini par bien me plaire. Franchement, ça m'a fait du bien de porter autre chose. C'est une odeur qui est très réussie, mais voilà, c'est pas forcément des notes que j'ai l'habitude de porter. Je sais même plus vraiment quelles sont les notes. Je peux juste vous dire que c'est vraiment très très floral. Pas trop poudré, il a une bonne présence. C'est vraiment un parfum qui se remarque, mais qui est pas non plus complètement empreint d'originalité. Bref, je le rachèterai pas, mais ça restait une belle découverte. Je crois que ce parfum a du succès. C'est voilà, une senteur qui est quand même assez réussie. Ensuite, j'ai terminé l'eau multiple petit grain de chez Kerzon. Kerzon, vous connaissez peut-être, c'est une marque qui fait des bougies, des senteurs pour la maison, des sprays, etc. Et des lessives. Leur point fort, ce sont vraiment les odeurs. Ils ont une palette de senteurs qui est incroyable. L'odeur petit grain, on la retrouve dans une lessive, dans un savon et dans cette eau multiple. Alors, il est écrit pour toute la famille. Moi, je m'en suis servi que sur moi. Et alors, vous allez comprendre pourquoi j'adore ce produit. Dans les notes, on retrouve du néroli et de la fleur d'oranger. Donc c'est délicieux. C'est une fleur d'oranger vraiment très réconfortante, très bébé, très mustela, etc. Il est écrit, vous pouvez vaporiser ça sur les cheveux.
la peau, les vêtements. Moi, je m'en ai mis globalement sur ma peau et sur mes vêtements avant d'aller dormir le soir. Je me parfume avant d'aller dormir, c'est un truc que j'ai toujours fait. Je me lave le soir, donc du coup, pour sentir quelque chose pendant la nuit, je me parfume. Alors, rarement avec un vrai parfum, plus souvent avec ce type de produit. Je l'ai fini, je vais le racheter, c'est certain. J'attends juste de passer dans une boutique à Annecy, Beautiful, qui revend la marque. Mais je crois que la boutique est en travaux. Bref, il n'y a pas d'urgence, mais soyez certains et certaines que je vais le racheter. Ensuite, j'ai terminé le gel douche relaxant Lavande et CBD de chez L'Occitane. Écoutez, j'ai reçu de la part de la marque deux gammes, la gamme Lavande CBD là, que je trouve très réussie. J'ai adoré le gel douche, c'est vraiment une odeur mixte. Ça sent la lavande, mais avec un versant un peu musqué, un peu frais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce gel douche. Bon, pour le côté CBD, c'est censé avoir des vertus, voilà, un peu apaisante, relaxante. Je ne l'ai pas vraiment observé, je pense que c'est un peu plus du marketing qu'autre chose. Et là, l'autre gamme que j'ai reçue, je ne sais plus comment elle s'appelle, ce sont des packagings très très colorés. Et du coup, j'ai rouvert le gel douche tout de suite derrière et c'est un bonheur. Vraiment, ils sont hyper hyper bons, je pense que je vous en reparlerai. Tout ça pour dire carton plein avec les dernières collections L'Occitane que j'ai reçues. Je ne sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Si c'est le cas, bah franchement, filez au moins la sentir en magasin si vous avez un magasin pas loin de chez vous. Mais j'espère que ça restera dans la gamme permanente parce que c'est un vrai bel ajout à ce qu'ils ont déjà. Et c'est une odeur voilà, complètement mixte. Toujours dans les gels douche, la douche relaxante parfumée aux notes de Neroli. Prodigieux Neroli de chez Nuxe. J'ai adoré ce gel douche. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, je crois, que je vous mettrai sur l'écran. J'ai l'eau de toilette et le gel douche. Le gel douche, il a limite fallu que je me retienne de ne pas m'en servir à chaque fois parce que le flacon n'arrêtait pas de baisser. J'ai adoré ce produit. Je pense que je le rachèterai aussi. C'est vraiment le petit gel douche plaisir. Il est possible que je craque à nouveau dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. J'ai terminé la recharge de déodorant Fleur d'Oranger Neroli, décidément, de chez Glossier. Pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. C'est un déodorant qui est très coûteux, mais qui est très efficace. Et alors l'odeur, on est limite sur un parfum. Moi j'attends qu'une chose, c'est que Glossier sorte cette senteur en eau de toilette ou en eau de parfum justement. Parce qu'ils ont Glossier You qui existe en déodorant. J'espère que c'est dans les tuyaux quoi. Franchement j'espère que ça va finir par sortir parce que cette odeur elle est extrêmement réussie. On arrive encore un peu à la sentir à travers. Vraiment fan fan fan. J'ai rouvert derrière la recharge avec la senteur Glossier You qui est moins efficace vraiment. Je trouve que le déodorant fonctionne moins bien. Et l'odeur est moins réussie et tient moins bien sur la peau. Donc je vous conseille vraiment cette recharge-là si vous avez envie de tester les déodorants de chez Glossier. Il y a aussi une version sans odeur et la quatrième, je ne me souviens plus. C'est un packaging vert, mais je ne me souviens pas. Peut-être une odeur un peu plus masculine. En tout cas, Fleur d'Oranger et Neroli, une franche réussite. Je ne sais pas si je rachèterai parce que voilà, ça reste des déodorants très coûteux. Peut-être un achat ponctuel, mais ça ne va pas devenir mon déodorant tous les jours. Là, je reste sur le Respire Fleur de Coton en stick. Que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'ai terminé le gommage Riche Corps Beurre de Karité 10% de la marque L'Occitane. J'ai pas aimé ce produit parce que la texture ne... Je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Le produit est trop épais, donc déjà c'est très dur à faire sortir du tube. Et ensuite, la texture dans laquelle les grains sont incorporés est trop compacte. Donc on a du mal à vraiment venir faire un vrai mouvement de gommage. Donc j'ai pas trouvé le produit intéressant. Ça m'a pas empêché d'adorer l'odeur. Cette gamme au karité de chez L'Occitane, elle est très réussie. Ça m'a pas empêché d'aimer justement ce petit film nourrissant, hydratant qu'on retrouve sur la peau par la suite. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce produit. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Soit c'est pas la bonne présentation, ça aurait été mieux dans un pot. Mais je persiste à dire que la texture globale est trop riche. Bref, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, les produits terminés, soins du visage. Le sérum The Repair Hero. Probiotique niacinamide de la marque Yepoda. Je vous avais parlé de cette marque coréenne dans une vidéo. Oh, je ne sais plus. Routine de soins. Non, ça ne devait pas être une routine de soins. Ça devait être un vlog. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre ça sur l'écran. Vous avez vu que plus la vidéo avance et plus je m'enfonce dans mon canapé. Donc je vais essayer de me redresser un peu. J'ai beaucoup aimé ce sérum. C'est un sérum qui était très hydratant, très complet. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la marque au global. Je vous renvoie vers cette vidéo où je vous ai expliqué tout, mais ça a été un franc coup de cœur. Successeur, je vous en parlerai dans ma vidéo favori beauté qui arrivera la semaine suivante. Parce que j'ai fait de belles découvertes. Ensuite, j'ai terminé ce produit qui est ouvert depuis très longtemps, qui faisait 100 ml. Donc pour une crème visage, franchement, il faut quand même pas mal de temps pour la finir. La crème visage des peaux sensibles Mixa Bio, je l'avais reçue dans le cadre d'une collaboration avec Mixa. Cette crème, elle a rien à envier aux plus grandes. Beurre de karité, vitamine E, donc c'est leur gamme bio. Nourrit 24 heures, apaise les tiraillements. Fabuleuse, une vraie bonne crème
hydratante, nourrissante, comme on les aime, qui coûte pas cher. C'est un tube de 100 ml, voilà, je vous le redis, mais vous en avez pour un siècle. C'est certifié EcoCert et Cosme Bio. J'ai adoré cette crème visage. J'ai mis du temps à la finir tout simplement parce que le tube était énorme et que j'avais plein d'autres trucs à tester à côté. Mais c'était une très très bonne crème visage. Ensuite, j'ai terminé, je crois, mon deuxième flacon de la lotion de la Brume Bouclier Protecteur Lotus et Acide Hyaluronique de la marque Paille. C'est la marque qui me l'avait envoyé. J'aime beaucoup la marque Paille, j'aime beaucoup leurs produits. Ça, c'est un spray dont vous pouvez vous servir pour préparer votre peau, comme lotion, pour fixer votre maquillage, pour rincer une eau micellaire. Je crois que c'était mon deuxième ou mon troisième flacon, il l'avait envoyé à plusieurs reprises. J'ai adoré ce produit, vraiment tout, la texture, l'odeur, le mode d'application, j'ai adoré. Je suis partie sur une brume assez similaire de la marque La Canopée, qui m'a été envoyée aussi de la part de la marque, qui sent la fleur d'oranger, qui est délicieuse. Donc du coup, j'ai un bon successeur derrière, mais sinon celle-ci m'aurait cruellement manqué, je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai terminé deux petites miniatures que j'ai dû finir pendant mes récents déplacements. La mousse nettoyante pour le visage Checks and Balances de la marque Origins. Bon, je peins un coup de cœur, ça va pas me donner envie d'acheter le grand format. Bon produit, mais pas dingue. Ah, et ça a piqué les yeux, ce qui est quand même dommage pour une mousse nettoyante. Et le nettoyant régénérant de la marque Tata Harper, qui est un nettoyant avec ce petit truc en plus, un petit peu exfoliant, avec un peu des acides de fruits, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. C'est un bon produit, pas à utiliser tous les jours, à moins que vous ayez une peau hyper hyper costaud puis pleine d'imperfections, mais je pense pas que ça soit trop l'idée de ce produit. Ça fait longtemps que je le connais, j'ai été contente de le tester. Bon, je m'en sers pour ce genre de produit, c'est une à deux fois par semaine maximum pour un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Ensuite, j'ai terminé le Baume Cocon, crème réparatrice barrière cutanée de chez Glossier. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, cette crème elle m'a accompagnée tout l'hiver. Je l'ai terminée au bon moment, même un peu sur le tard, au début du printemps. Une crème avec une texture de beurre très riche, très réconfortante. Idéale si vous avez passé la journée dans le froid, vous avez les ailes du nez tout irritées, le tour de la bouche, si vous êtes malade ou autre. Un super 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 produit. Je pense qu'il est possible que je le rachète l'hiver prochain, à moins que je reste avec la Rich Cream de chez Augustinus Bader. Alors les deux produits ont les mêmes, ont la même cible, ça fonctionne bien l'hiver, etc. Je peux pas comparer ça à la Rich Cream de chez Augustinus Bader, mais c'est genre un cinquième du prix, donc on peut pas tout avoir. Très 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 bon produit. Et ensuite j'ai fini un énième pot de la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, qui est une crème que je trouve incroyable pour une bonne base de maquillage. Elle va venir hydrater mais pas trop, nourrir mais pas trop, illuminer, ça rend l'application des produits par la suite hyper hyper facile. Vous avez un SPF, c'est pas énorme, hein, 15, c'est pas dingue mais c'est toujours ça. L'odeur est délicieuse, comment la décrire? Ça sent un peu le musc. C'est une odeur qui est très très agréable. Le flacon est rechargeable, donc je vais garder mon pot. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Non, j'ai pas les ongles assez longs. Le fond en plastique là se retire et ensuite le pot est rechargeable. Donc ça, on applaudit l'effort. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font cet effort-là. Quoique c'est de mieux en mieux. Excellente crème. Je crois que j'ai encore une recharge dans mes tiroirs. Je la rachèterai vraiment sans hésitation. Et les deux intrus que je ne sais pas faire rentrer dans aucune des catégories, le dentifrice What Matters, donc la recharge de dentifrice, c'est un dentifrice qui a une texture assez liquide et qui se place dans un petit flacon en verre avec une pompe. Donc nous on est passé au dentifrice rechargeable depuis ça fait quelques années maintenant. Je vous en ai beaucoup parlé de ce dentifrice. Quentin et moi on a la version adulte et Inès a la version pour enfants. C'est bien dosé en fluor, autant pour les enfants que pour les adultes, hein, la composition n'est pas la même. Vous achetez juste des recharges comme ça, vous venez recharger dans vos flacons, c'est hyper hyper pratique. On garde juste un tube, souvent c'est des miniatures que j'ai, pour les voyages parce que c'est pas très pratique de se balader avec les flacons rechargeables en verre, c'est pas génial dans la trousse de toilette. Mais pour le quotidien c'est tellement tellement pratique, le goût est bon, vraiment j'adore ce dentifrice. J'en ai racheté, pour avoir les frais de port gratuits, je crois que je rachète 4 ou 5 flacons, enfin 4 ou 5 recharges à chaque commande. Mais voilà, vous pouvez foncer. Je vous en ai déjà parlé, pour être sûr que la quantité de fleurs soit bonne, parce que moi je n'y connais rien, je ne suis pas du tout experte dans le domaine, je m'étais renseignée sur le compte Instagram qui s'appelle Les Mots de la Bouche, Les Mots M-A-U-X, c'est une femme qui est dentiste, qui fait souvent des recommandations de brosses à dents, de produits, voilà, de bains de bouche, de dentifrice, etc. Et elle recommandait cette marque en disant que la concentration de fleurs était la bonne, autant pour la version adulte que pour la version enfant. Voilà, ce qui m'a convaincue du coup de tester quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fini une petite éco-recharge du complément alimentaire Digest and Glow de chez M Skincare, qui m'avait été envoyé par la marque. Vous savez que je suis ambassadrice pour la marque en fil rouge sur l'année 2023. J'avais encore jamais testé ce complément. À vrai dire, je pensais qu'il n'était pas vraiment fait pour moi. C'est pour les personnes qui ont un inconfort digestif,
peut-être aussi une petite intolérance à gluten, lactose, etc. Puis qui voilà, ressentent d'un point de vue non pathologique, hein, vraiment des gens qui peuvent avoir un petit inconfort. Ce qui n'est pas mon cas, moi je digère très bien tout ce que la planète nous offre. Mais j'ai testé ce complément pour la première fois sur les conseils donc, de Mathilde et puis voilà, des personnes qui travaillent pour la marque. Avant un gros repas, je crois que la première fois que j'ai testé ça, c'était avant une raclette ou une fondue, vous voyez, un truc un peu costaud. Vous prenez deux gélules une demi-heure avant de manger, donc nous on était invités, je les avais prises juste avant de partir chez les personnes qui nous invitaient, et c'est vrai que ça rend la digestion par la suite plus simple. Voilà, raclette, fondue, je vous fais pas un tableau, mais on sent un peu lourd derrière, un peu ballonné, etc. J'ai fait tester à Quentin qui m'a dit qu'il trouvait ça absolument incroyable. Voilà, le truc c'est qu'il faut juste avoir le réflexe de le faire, c'est pas du tout un complément... au long cours, d'ailleurs vous pouvez pas opter pour l'abonnement, c'est vraiment quelque chose à prendre ponctuellement pour des besoins ponctuels. Donc j'ai fini le sachet, je sais plus combien, il devait y avoir une dizaine de prises à l'intérieur, il devait y avoir 20 gélules, et depuis la marque m'a fait parvenir un gros flacon, mais c'est quelque chose que je vais toujours faire en sorte d'avoir dans mes stocks à la maison, parce que franchement avant un gros repas comme ça, ou si vous enchaînez deux restos deux jours de suite, ou je sais pas, quelque chose comme ça, c'est franchement utile. J'ai été très contente de la découverte. Voilà pour cette vidéo produit terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.